Voilà, voilà mes frères et sœurs, on va prendre sa place. Hein, nous sommes venus pour adorer, célébrer le roi des rois. Nous aimons le Seigneur Jésus. Si je vous posais la question ce matin, est-ce que vous aimez Jésus? Ah, la réponse, hein, je la connais. Oui, j'aime le nom de Jésus. Voilà, on va présenter ce culte au Seigneur. Et je veux croire que vous êtes venus pour adorer, pour célébrer le Seigneur, en disant, Seigneur, tu as quelque chose à me donner ce matin. Tu as quelque chose à me montrer. Seigneur, tu veux conduire ma vie. Et nous faisons nôtre le psaume 23. Vous le connaissez bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, gloire à Dieu. Alors, on incline nos fronts et puis on dit, Seigneur, on est venu pour entendre ta voix et je veux bénir le roi des rois. Seigneur, je veux te louer et t'adorer de tout mon cœur ce matin. Tu as placé dans nos cœurs, Seigneur, un message d'amour, de reconnaissance. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, Jésus, je t'aime. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as vu dans mon péché, tu m'as vu dans ma souffrance, et Seigneur, tu es venu jusqu'à moi. Et ce matin, en retour, reçois la louange, reçois l'adoration de mon cœur. Oui, je suis venu célébrer le grand roi. Je veux lui dire que je l'aime de tout mon cœur. Seigneur, bénis mes frères et sœurs ce matin. Souviens-toi des malades, souviens-toi des affligés, souviens-toi des frères et sœurs, Seigneur, qui sont comme empêchés ce matin de venir en ta présence. Père, je te bénis et je te loue. Que ce culte soit pleinement la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je laisse la place maintenant aux autres. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce Amen. Que vous voulez bien vous lever, si vous le pouvez et le souhaitez, pour qu'on puisse chanter ensemble ce chant qui dit « J'abandonne mes tristesses ». Et c'est donc, si on dit « J'abandonne », c'est que c'est volontaire. Donc on se décharge vraiment, volontairement, de tout pour la joie du Seigneur. Donc on lâche tout au pied de Jésus. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je suis pressé, mais debout, persécuté à genoux. Sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, sa joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui, je veux, Seigneur, te dire oui.
C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui est de mes larmes fait des fleuves de vie. Celui qui est dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon arme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel, tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir naît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres
ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia de la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. 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 En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. C'est une mélodie. Chantons un peu plus fort. C'est du combat pour ma vie. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. Mon arme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir naît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si, si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Dans les nuits sombres, tu
tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami. J'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si, si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si, si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu toi qui as fixé le
Tu marches
Fais de mon
Merci au Seigneur de nous rassembler devant lui ce matin. Moi, je crois que Dieu a quelque chose à me dire. Dieu veut se révéler tout à nouveau à mon cœur. Bien sûr, voilà bien des dizaines d'années que je connais Jésus. Je l'ai rencontré lorsque j'avais 15 ans. Mais je n'irai pas plus loin, parce qu'après ça, vous allez savoir mon âge. Hein ? Mais voilà bien des décennies que je connais le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'ajouterai même, la parole du Seigneur demeure éternellement. Ce que je constate, c'est que Dieu nous aime. À chaque fois, je le dis, mais je le répète, il faut que tu saches que Dieu t'aime. Nous nous souvenons tous que Pierre, après avoir renié le maître, Jésus lui a dit « M'aimes-tu ? » Est-ce que tu aimes Jésus ? Lui, il t'a aimé le premier, il t'a cherché. Et aujourd'hui encore, Jésus vient frapper à la porte de ton cœur. Il ne se lasse point, il veut te sauver. Comme l'apôtre Paul le dira à ce gardien de prison, il lui dira « Mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Dieu met en nous cette assurance. L'apôtre Paul le dit, « Je sais en qui j'ai cru. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Alléluia, je le crois de tout mon cœur. J'aimerais que nous lisions un seul verset ce matin. Oh, ce verset, il risque de te bousculer. Moi, c'est bien quand Jésus nous bouscule. Parce que parfois, on est dans notre confort. Mais parfois, le Seigneur nous bouscule parce qu'il veut que nous allions beaucoup plus loin avec lui. Je crois qu'il veut que nous entendions ce que Pierre a entendu. Avance en pleine eau. Est-ce que j'avance ? Est-ce que je recule ? Dans ma vie chrétienne, souvent on dit, oh ben je me maintiens, c'est déjà pas mal. Je me maintiens dans la vie chrétienne. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu attend quelque chose d'autre. Alors on va lire ensemble dans Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 14. Éphésiens, chapitre 5. Verset 14. Alors peut-être que quelqu'un va me dire ce matin, ça ne me concerne pas. Moi, non, ça ne me concerne pas. Eh bien, je crois sincèrement que cela te concerne. Déjà, d'une part, tu es là. Dieu savait que tu serais là. Moi, je ne savais pas. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu veut t'interpeller ce matin. Je crois que le Seigneur veut que dans ma vie chrétienne, il y ait comme un sursaut, qu'il y ait un nouveau départ dans ma vie chrétienne. Alors on va lire ce texte. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi, d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors, est-il possible qu'un chrétien s'endorme ? Je répète, est-il possible qu'un disciple de Jésus s'endorme ? C'est vrai que ce que nous voulons, c'est le réveil personnel. Le réveil de l'Église, le réveil de la France, nous croyons, et même le réveil dans le monde, nous croyons que Dieu veut étendre ses bonnes mains sur l'Église. Alors, je me suis posé cette question.
Pourquoi certains chrétiens dorment? Alors, c'est personnel. Alors, j'ai cherché quels sont les obstacles que le chrétien rencontre devant lui. Et ainsi, ce chrétien, il se laisse piéger et il s'endort. N'oublions pas, mes frères et sœurs, vous vous souvenez tous de Gethsémané. Gethsémané, Jésus a accepté de boire la coupe amère. Et il va dire dans le jardin de Gethsémané, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et il avait invité Pierre, Jacques et Jean à prier avec lui. Et quand Jésus est venu vers les apôtres, ils étaient en train de dormir. Il les a réveillés. Jésus à nouveau est reparti prier. Il est revenu. Et la Bible nous dit qu'il trouva encore ses disciples endormis. C'est vrai que dans l'Écriture, par exemple, il y avait Eutychus, nous le connaissons dans Actes 20, si ma mémoire est bonne. Acte 20, il nous est dit que Eutychus était assis au bord de la fenêtre. Et comme Pierre a prolongé son discours, il s'endormit et il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé comme mort. C'est vrai que parfois, on peut dire « Ah, la prédication est trop longue, la prédication nous endort ». Non, je ne pense pas qu'une prédication puisse endormir, parce que c'est la parole vivante, la parole de Dieu, elle est efficace, elle est tranchante, béni soit le Seigneur. Alors vous voyez, même les apôtres, nous les trouvons endormis. Alors je me suis posé la question en disant, mais en tant que disciple de Jésus, dans ma vie chrétienne, il y a des obstacles. Et ces obstacles, parfois, m'entraînent à dormir. Donc ce matin, j'aimerais voir quelques-uns de ces pièges, de ces obstacles que nous pouvons rencontrer dans notre vie chrétienne. Je vais d'abord vous les énumérer. Premièrement, la fatigue. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être fatigué? La fatigue, il est vrai que je ne devrais pas le dire, alors je ne vais pas le dire. Tout dernièrement, je me suis endormi au volant. Ma femme ne le sait pas, je ne lui ai pas dit. Mais si elle regarde la vidéo. Et quand je me suis réveillé, j'étais en train de frotter sur le trottoir. J'ai entendu, ça m'a donné un sursaut. Mais enfin, j'ai dit, Seigneur, ce n'était pas le moment, hein, sinon tu m'aurais pris, mais il m'a gardé, et il est vrai qu'il m'a gardé de nombreuses fois. Alors la fatigue, ça peut m'endormir. Et quand le chrétien est fatigué, quand il n'a plus le goût des réunions, pourquoi aller prier? Mais je prie à la maison. Je vais y revenir. Deuxième élément qui peut me pousser à dormir, c'est la souffrance. La souffrance, ça continue. Je n'ai pas de répit et ça peut m'endormir. Une troisième chose que je voudrais également aborder ce matin, c'est le monde. Le monde. Ah, le monde, il est là, il frappe à la porte de notre cœur. Il voudrait nous prendre. Mais Jésus nous le dit, je ne te demande pas de les séparer du monde. Je ne te prie pas de les sauter du monde, mais qu'ils soient vraiment la lumière du monde. Voilà un troisième élément. Un quatrième également que je voudrais citer.
Et je crois que la prophétie en a abordé un petit peu le thème. C'est le cœur partagé. Comme on disait, j'ai entendu, un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors voilà des éléments qui peuvent me pousser à m'endormir. Mais je voudrais encore en ajouter deux. Le temps. Le temps. Parfois, le temps peut jouer en notre faveur, mais également le temps peut être un ennemi. Vous savez, j'ai entendu de la part de certains chrétiens, depuis longtemps, j'entends parler du retour de Jésus. Alors vous, maintenant, je pense qu'il ne va plus venir. Mais ça, c'est un piège. Jésus revient. Il l'a promis. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque cette place sera prête, eh bien, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il faut que les prophéties s'accomplissent. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Et ce que Dieu a dit, cela va s'accomplir. À lui soit toute la gloire. Et puis une dernière chose que je voudrais aborder ce matin, c'est le zèle. Le zèle. Vous savez, quand on s'est converti, vraiment, on entraînait tout le monde avec nous. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que tu entraînes? Que fais-tu? Ça, c'est important. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. C'est important. Alors, vous voyez, ce texte biblique nous dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Vous savez, j'ai besoin de me réveiller concernant le témoignage. Jésus a dit, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposée sur eux tous. Est-ce que je parle de Jésus? Est-ce que je dis ce que Jésus a fait pour moi? Alors vous voyez, mon frère, ma sœur, je voudrais partager avec vous ces points très importants dans notre vie chrétienne. Alors le premier, c'est la fatigue. Même à un moment donné, David, on connaît bien David, David fatigué. Même la version du semeur nous dit David épuisé. David épuisé. Oui, ça arrive dans notre cheminement que nous soyons épuisés. Si je demande aux 300 hommes qui étaient avec Gédéon, vous savez, qui avaient été choisis par Dieu. Vous vous souvenez? Choisis par Dieu. Et l'Écriture nous dit que fatigués, mais poursuivant toujours. Jésus leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quand je lis le récit de la femme samaritaine, vous vous souvenez? Jésus fatigué, était assis au bord du puits, le puits de Jacob. Nous aussi, quand nous sommes fatigués, asseyons-nous au puits de l'Évangile. Là, nous recevons tout un renouveau, les forces dont nous avons besoin pour aller de l'avant. À Dieu soit toute la gloire. Mais voyez-vous, mes frères et mes sœurs, l'Écriture nous le dit dans le livre de l'Exode concernant Moïse. À un moment donné, les mains de Moïse étaient fatiguées. Qui d'entre nous n'a jamais dit « Je suis fatigué ». Je suis fatigué. Les mains de Moïse étaient fatiguées,
Parce que quand Moïse élevait les mains, c'était Israël qui était le vainqueur. Et quand les mains de Moïse étaient fatiguées, eh bien c'était Amalek qui était le plus fort. Alors vous vous souvenez que Hur et Aaron sont venus près de Moïse et lui ont soutenu les mains. Et alors les mains de Moïse sont restées élevées. Alors Israël a remporté la victoire. Vous savez, mes frères et mes sœurs, parfois nous baissons les mains. Peut-être que tu baisses les mains dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille. Eh bien, je crois que ce matin, le Seigneur te dit, ne baisse pas les mains, mais lève les mains vers toi. Lève les mains vers Jésus, chante la gloire de Dieu, chante la victoire de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La parole du Seigneur, elle demeure éternellement. Et quelle image glorieuse nous avons lorsque Moïse élevait les mains, eh bien Israël était vainqueur. Nous le sommes parce que Jésus a tout accompli sur le bois de la croix et nous sommes heureux de dire gloire à ton nom, Jésus. Alors, n'oublions pas, ce matin, je ne sais pas comment vous êtes venus, bien sûr en voiture, à pied, mais je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel » et nous le réalisons de tout notre cœur. Alors, n'oublions pas que même si la fatigue est là, eh bien, nous voulons continuer, nous voulons vraiment nous appuyer sur le Seigneur. Ne pas lâcher prise. C'est vrai, quand on rentre parfois du travail, bon, il y a la réunion de prière. Oh oui, mais on est déjà en chaussons ou en savate. Alors, faut remettre les chaussures pour repartir à la réunion de prière. Ce n'est pas évident, mais il y a des victoires. Il y a des victoires à prendre. Allez, je laisserai de côté la fatigue pour en arriver à la souffrance. Et là, c'est quelque chose de difficile, mon frère, ma sœur. La souffrance, elle peut nous courber quand on a mal. La souffrance peut nous accabler. La souffrance peut ôter tout désir de faire des efforts quand on a mal. Vous savez, Madame Job, elle souffrait énormément. Elle venait de perdre ses 10 enfants. Madame Job. Et Job, nous connaissons ce qu'il va dire. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Tandis que Madame Job, elle disait à son mari, maudit Dieu, et puis meurs avec, tiens. T'as qu'à mourir. Ah, la souffrance, quand elle est là, elle fait du mal. Je crois que c'est Paul qui dit à Timothée, souffre, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il n'est pas de bon soldat, eh bien, qu'il ne s'arrête en chemin, il va jusqu'au bout, que Dieu soit béni. Bien sûr, il y a eu les souffrances de Jésus. Quand je lis Ésaïe 53, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de mes péchés. Christ a pris sur lui mes péchés. Nous allons lire ensemble, parce que je crois que cela est important, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Voilà ce que Paul dira. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. Parfois, il faut prendre des résolutions. Ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances,
Et voici ce que dit Paul. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Parce que Paul faisait entrer Jésus dans ses souffrances. Jésus était le centre de sa personne. Et ainsi, il recevait les forces dont il avait besoin pour continuer le combat. Merci, le Seigneur. Oui, cependant, c'est Jésus qui a porté nos souffrances. Béni soit le Seigneur. Fatigue et souffrance peuvent m'endormir. Maintenant, je vais vous les donner dans le désordre, c'est le cœur partagé. Est-ce que ton cœur est tout entier à l'Éternel? Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? C'est important. Un cœur partagé, si je crois c'est dans l'église d'Éphèse, lorsque Dieu va dire, mais tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Et tu as laissé entrer certaines choses. Et parfois nous laissons entrer certaines choses dans nos cœurs et cela nous endort. Cela nous éloigne, alors que Dieu voudrait que son cœur batte en nous, que nous le servions vraiment d'un cœur tout entier. Quand nous lisons, par exemple, dans le livre des Rois, son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il se réservait quelque chose pour eux. Pourquoi tu ne donnes pas tout ton cœur au Seigneur? Donne ton cœur entièrement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je vais encore le dire aujourd'hui, Seigneur, je te donne ma vie entière, je te donne mon cœur entier, un cœur partagé. Ah, Seigneur, donne-moi vraiment que ton cœur batte vraiment dans mon cœur. Alors nous laissons entrer certaines choses. Je passe très vite sur le cœur partagé, parce que je voudrais arriver maintenant au manque de zèle. Le manque de zèle. C'est important, le zèle. En réalité, ça nous motive. Je dirais que c'est le carburant. Mais le carburant, nous le trouvons où? Dans la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu. J'ouvre la parole de Dieu. Que veux-tu me dire, Seigneur? Tu as quelque chose à me montrer. Alors, mon frère, ma sœur, j'admire toujours cette femme, Anne, Évangile de Luc, chapitre 2. Anne, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Elle était là. Pourtant, elle avait été privée de son mari. Elle était seule, mais vraiment, elle comptait sur le Seigneur. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'elle était prophétesse. Elle parlait de la part de Dieu. Même dans l'épreuve, elle n'a pas lâché la main de Dieu. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que dans l'épreuve, on peut lâcher la main de Dieu. Mais ce matin, ne lâche pas la main de Dieu. Fais confiance à Dieu. C'est vrai, l'épreuve, elle est là, la difficulté est là, la montagne est là, mais Dieu est là aussi et il va te conduire dans une grande victoire. Alors, le zèle, nous avons les fondamentaux. Vous vous souvenez des fondamentaux? L'Église naissante, il nous est dit qu'il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce zèle, est-ce que tu l'as toujours, ce zèle? Réveille-toi, toi qui dors, Seigneur. Si je dors, Seigneur, bien réveille-moi. Je veux te servir encore. Il y a peu d'ouvriers pour la moisson.
je ne regarde pas moi-même, mais je regarde à toi, Jésus. Et je sais que tu vas conduire ma vie. Je te la porte, je te la consacre, je te la donne encore aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Mon frère, ma sœur, ce zèle, est-ce que je l'ai ? Je le possède. Peut-être je l'ai eu, mais je me suis retiré en arrière. Il y a un homme que nous connaissons bien, c'est Démas. L'apôtre Paul dira, « Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. » Pourtant, c'était un compagnon de Paul. Il était avec Paul et à un moment donné, il a été attiré par le monde. Oh, vous savez, moi, je n'attends rien du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui, je le répète, celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Comme cela est réjouissant, mon frère, ma sœur, de pouvoir servir le Seigneur. Alors, il y a aussi autre chose que je voudrais vous donner ce matin, c'est le temps. Le temps. Vous savez, ça passe vite, hein ? Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, vers l'âge de 15 ans, je me suis converti. Et maintenant que j'arrive à plus de 75, maintenant vous savez tout, hein ? Eh bien, le temps passe, mais le temps est fidèle. Le temps que Dieu nous donne, il faut vraiment le consacrer au Seigneur. Et vous savez, hein, maintenant, moi j'arrive au soir de la vie, il faut être réel. Bientôt, ce sera la rencontre avec le Seigneur. Parfois, j'ai vu parler avec des personnes âgées. Enfin, moi, je suis un petit peu... Non, je suis jeune, moi. Hein. Et souvent, j'ai relevé ça chez les personnes qui disaient « Oui, mais que ça soit le plus tard possible. » J'ai jamais compris cela, que des frères et sœurs me disent « Le plus tard possible avec le Seigneur quand il viendra me chercher. » Pourquoi le... Alors moi, je me suis posé, mais pourquoi le plus tard possible ? Bon, je comprends. Alors j'ai entendu, ben, j'ai mes petits-enfants, je voudrais les voir grandir. Ben oui, alléluia. Hein ? Mais la place nous est prête. Elle est prête, notre place. Il faut être prêt à tout moment, même au moment où on ne s'y attend pas. Mais nous voulons être là. Alors, le temps parle aussi du retour de Jésus. Est-ce que tu crois dans le retour de Jésus ? Vous savez, le Seigneur nous a donné les temps difficiles. Allez, on va le lire ensemble. Je crois que je regarde la référence, j'ai dû la marquer. C'est dans 2 Timothée chapitre 3. Vous connaissez bien mes frères et sœurs, mais il est bon de se rappeler 2 Timothée chapitre 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous le savons. Car les hommes, les femmes aussi, hein, parce que quand on dit les hommes, ça englobe tout le monde, hein, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Mais il est beau notre monde, hein ? Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. 19, je ne sais pas si vous les avez comptés, 19 choses sont nommées ici. Alors le Seigneur nous prévient, nous vivons des temps difficiles.
Nous vivons les temps de la fin et nous voyons bien que tout craque de partout. Mais cela nous montre le retour de Jésus. Il faut que ces choses s'accomplissent. Dieu a un plan, Dieu a une volonté et cette volonté, elle s'accomplira, que Dieu soit béni. Même Éphésiens nous le dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, réveille-toi, toi qui dors. Nous sommes là devant l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus est à la porte. Il vient chercher son Église. Est-ce que Jésus te prendra avec lui ou resteras-tu ? Resteras-tu ? Jésus vient chercher son Église, ceux qui lui appartiennent, ceux qui marchent avec lui, ceux qui s'attendent à lui. Jésus ne vient pas chercher une concubine, il vient chercher une épouse. Pas une concubine, une épouse qui s'est parée, qui s'est préparée, qui est prête pour son retour glorieux. Alors, es-tu prêt ? Es-tu prêt ? Il nous faut de l'huile dans nos lampes, que Dieu soit béni. Je terminerai maintenant, mon frère, ma sœur. Voyez-vous, tous ces éléments que je vous ai cités, ils sont présents. Ils viennent frapper à la porte de mon cœur. Comment je vais réagir ? Demain, il sera trop tard. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien, n'endurcissez pas votre cœur. Seigneur, quand l'Écriture nous dit, mais sois un modèle, Dieu s'adresse à moi, sois un modèle en foi, sois un modèle. Est-ce que tu es un modèle qui suit le Maître ? Les caractères de Jésus, le fruit de l'Esprit, doit être en moi. Seigneur, je veux grandir en toi. Je terminerai, nous nous souvenons tous de Samuel. Il nous est dit qu'il grandissait. Il grandissait. Il grandissait. Je grandis. À la fin de chaque année, est-ce que je peux dire, Seigneur, j'ai grandi. J'ai grandi en toi. Maintenant, Seigneur, je te connais mieux et je veux encore te connaître mieux. Alors que Dieu, mes frères et sœurs, vous bénisse, vous assiste et vous entoure. Ah, c'est vrai que dans notre vie chrétienne, il y a des moments difficiles, mais le Seigneur a promis qu'il serait avec nous tous les jours. On prie ensemble le Seigneur, on courbe nos fronts et on lui demande toute sa grâce. Ah, Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, je veux me l'approprier. Seigneur, ce matin, tu ne parles pas en vain. Oui, j'aurais tendance à dire, mais où en es-tu avec le Seigneur ? Où en es-tu avec Jésus ? Quelle place Jésus tient-il dans ta vie, dans ton cœur ? Peut-être tu te laisses attirer par le monde. Peut-être il y a chez toi un manque de zèle, d'enthousiasme, de vie. Pourtant, Jésus a dit, eh bien, que ses brebis auraient la vie et la vie en abondance. Seigneur, merci de ce que tu sais parler à nos cœurs. Tu veux nous attirer à toi plus que jamais. Seigneur, que ta grâce repose sur chacun de nous. Et merci pour ces exemples que tu nous as donnés ce matin. Seigneur, qu'en est-il de moi ? Est-ce que je suis loin de toi ou je suis près de toi ? Seigneur, je veux répondre à cette question ce matin, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, je laisserai la place à mes bien-aimés. On va reprendre ce chant qui dit « Je m'écris Alléluia ».
en présence de mes ennemis. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon arme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel, tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Déclarer ma louange de la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia, tout mon être loue ton nom. Alléluia, les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. De la peur, nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi. Plus fort, chantons un peu 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 plus fort. En présence de mes ennemis, chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit, chantons un peu plus fort. Mon arme est une mélodie, chantons un peu plus fort. Du ciel, tu combats pour ma vie, chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis, quand le doute m'envahit, chantons un peu plus fort. Mon arme est une mélodie, chantons un peu plus fort. Du ciel, tu combats pour ma vie, chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît.